battu lors des trois dernières journées. Nîmes a glissé en position de barragiste au moment de recevoir Angers qui a pour sa part rebasculé en deuxième moitié de classement après la défaite 3-0 subie à domicile contre Nice. Les Crocos se sont inclinés le week-end dernier au Cossières contre Metz 1-0 et ont l'opportunité de se ressaisir encore à domicile, mais cette fois-ci il faudra faire preuve d'un peu plus d'adresse puisque aucun but n'ont été inscrits lors des trois derniers matchs des hommes d'Arpinon. Aucun des 29 derniers tirs gardois n'ont trouvé le chemin des filets. Nous sommes en tout début de rencontre, 40 secondes de jeu exactement, que l'ancien Nîmois Sada Tioub va trouver, et sur le deuxième poteau Mathias Pereira Lage. Ça fait 1-0 pour Angers après moins d'une minute de jeu. 40 secondes exactement, c'est le but le plus rapide inscrit cette saison en championnat. Et Mathias Pereira Lage, qui a longtemps été blessé, il avait disputé 15 petites minutes face à Nice sur sa première titularisation, il marque et donc permet à Angers de mener 1-0. Bernard Denis, l'ancien portier nîmois, est de retour au Cossière. Il est sauvé par son montant, mais passé cette alerte, ce sont les Angevins qui vont repartir de l'avant avec ce but de Stéphane Bauken qui transperce beaucoup trop facilement l'arrière-garde nîmoise. 23e minute, 2-0 pour le SCO grâce au buteur camerounais, sa troisième réalisation. Briançon, le capitaine nîmois, est facilement éliminé. Et derrière, Baptiste Rennais ne sort pas la parade décisive. 2-0 pour le SCO. C'est le score à la pause. Le banc angevin avec notamment Loïs Diony. Arpinon, lui, fait des changements en faisant sortir Aribi et en faisant entrer Denke. Mais il va y avoir toujours autant de laxisme défensif pour les Nîmois avec Stéphane Bauken qui va marquer. Dans un premier temps, l'assesseur de M. Schneider lève son drapeau, mais vous l'avez vu avec le révélateur, il n'y a pas du tout de position illicite de Stéphane Bauken. Le but est donc bien validé. C'est en cela que l'on voit les bénéfices et les intérêts de faire terminer les actions, même si Jérôme Arpinon stipulait que sa défense était un petit peu arrêtée de jouer. 3-0 donc grâce au doublé de Stéphane Bauken pour son quatrième but qui égale son total de la saison dernière. Et ce n'est pas terminé, le calvaire pour les Nîmois avec à la 82e minute un pénalty concédé par Landre. Faute sur El Melali, c'est Loïs Diony entré en cours de jeu qui va faire face à Baptiste Rennais et va le tromper en force au milieu. Premier but sous les couleurs angevines pour Loïs Diony, arrivé à l'intersaison en Anjou. Ça fait 4-0 pour le SCO, c'est lourd, mais cela reflète finalement la physionomie de cette rencontre. Nîmes va avoir un petit sursaut d'orgueil avec ce but inscrit dans les arrêts de jeu par Moussa Koné. 4 buts à 1 pour le SCO, mais ce ne sera pas le score final puisque les Angevins vont marquer un dernier but par l'intermédiaire de Jimmy Cabot. 5 buts à 1. Comme Diony, l'ancien Lorientais marque son premier but sous les couleurs du SCO. 5 buts à 1, ce sera bel et bien le score final pour Angers qui étrille Nîmes sur sa pelouse. Le SCO réagit bien après son lourd revers à domicile face à Nice. Les Crocos en revanche ne répondent plus, battus pour la quatrième fois de suite. 12 buts concédés, un seul marqué. Les hommes d'Arpinon sont toujours barragistes.